Jean-Jacques. Et voici... Yeah! Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire des vieilles potatoes. Des frites, quoi, ouais! Donc, premièrement, pour faire des frites, on va pas avoir besoin de frites. Comme premier ingrédient, vous aurez besoin de pommes de terre. Ensuite, de condiments de votre choix. Et puis de l'eau, c'est tout. Nous allons donc ouvrir l'eau. Alexandre, peux-tu ouvrir l'eau? Ça marche pas. Vas-y, on allume l'eau. Ça marche pas. On l'avait vraiment coupé la chouette. Il n'y a plus d'eau. Ok, là, faut descendre en cave. On va allumer l'eau. Oh là là! Il y a du sirop! Non, oh man! On est canadienne! L'eau est là-bas, elle là. It's the water. Vas-y, on va le voir. It's the water. Ce que je fais? Avec le bon éclairage, comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais? Elle s'y lève! Entends-tu ça? Ça veut dire qu'on a de l'eau! Oh man! Parfait! Allez, on reprend! Oh non! J'ai commencé! Ah! Oh non! C'est ça, je suis fucking mad. Clairement, le pire tournage qu'on a fait. Donc, Alexandre, vous pouvez allumer l'eau quand vous voulez. Maintenant que le bain est bien assez rempli, vous aurez donc besoin maintenant de laver vos pommes de terre. Tiens, Alexandre, lave donc tes pommes de terre avec du bain moussant. Vous aurez besoin de tout mettre le bain moussant. Donc, lorsque vous aurez trouvé vos pommes de terre, vous devrez les laver. Les frotter par-ci, par-là, afin que leur peau soit très propre. Cette opération peut durer environ 2 minutes. Alors, finalement, nous devons faire les condiments. La moutarde aussi. On peut pas avoir des frites sans condiments. Ok, on va le faire. Oui, maintenant, oui, la frite. Miam! Et c'est comme ça qu'on fait des frites! Oh fuck! Fuck, get me out of here! Bilan de cette histoire, Jean-Jacques Daniel n'aime pas le ketchup. Ce n'est pas bon. Non. Il préfère la moutarde.